Oui, la station, le 131 de Dandy 33 sur la rocade, à la hauteur de Bordelac, Bordeleur. Tirano 24, c'est ça? Pour eux, c'est Dandy 33, comme Cocodile Dandy, Hachi 3 coups, voilà 33. Je m'en vais attraper le pont d'Aquitaine. Et effectivement, sur la rocade, là, ça bouchonne, là, du côté de Mérignac. Mais avec le chantier, hein. Ouais, mais ça sort, et ça ne sera pas fini, c'est pas toujours le même cirque. C'est ça, ça fait un étranglement, tout le monde se jette dedans. Ta joie, là, dans la descente du pont d'Aquitaine, c'est pas mal chargé aussi, hein. Ouais, il y a plus de ça, mais le sac qui va trop sur les roues. Ah ça, et cette nuit, oui, ça a été bien arrosé. J'ai pas été déçu de ce côté-là. Ah, je suis dans la montée du pont. Ouais, mais c'est plus, il y a pas de ça pour moi d'autre. Ouais, cette saison, c'est sûr, mais j'ai l'impression que là, c'est quand même plus humide que l'année dernière. L'année dernière et les années précédentes, ouais, ok, c'est le mois de novembre qui est pas mal humide. Mais là, là ça commence à s'étaler quand même. Hein, mais ça commence à faire beaucoup. Hein. Et vu ce qui est annoncé, c'est toute la semaine comme ça. Oui, bon, bien sûr, on va pas pleurer. Quand on arrive à l'été, on va dire qu'il fait trop chaud, et quand il pleut, on n'est pas content. Bah, si on était content, on serait pas français. Voilà. Ils sont en écoute derrière. Ah, je suis trois coups. Ils sont en écoute derrière. C'est pour les autres, ils sont sur leur canal habituel. Ah, il y a le 15, il y a le 17, il y a le 21, il y a le 35. Ils sont c'est éparpillé un petit peu partout. Ah, c'est sûr. Mais bon, squatter les sups dans les moments où la compacte n'est pas là, j'en vois pas l'intérêt. Ouais. C'est. Il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils font avec leur gros poste. Ouais, ça a un peu de talon. Ah oui, c'est sûr, oui. Bien sûr qu'on peut faire du DX avec. De toute façon, quand la propague est là, hein, c'est plus vraiment le matériel qui compte. Hein. C'est la propague elle-même. Hein, et puis voilà. Hein. C'est bien entendu qu'on peut faire du DX là-dessus, hein, de ce côté-ci. Ouais, c'est ouais, bah en tout cas, il marche bien. Hein. Bon, là, je suis là maintenant sur la rocade rive droite. Là, je viens juste de passer la bretelle d'accès. Par là aussi, c'est pas mal chargé. Et c'est pas très fort, c'est pas très violent. J'ai aussi déjà en même temps du QRM là de mon côté, mais j'arrive encore à t'entendre. Hein. Ok, ouais, apparemment tu dois avoir le QRM de ton côté en pagaille. Ouais, je disais que là j'étais rocade de rive droite et j'arrive sur la station, les deux stations là, Total, oui c'est ça, oui. À la hauteur de Mérignac. Non, rocade de rive droite, leur mot. Oui, je suis de l'autre côté, là, sur la rocade.
Là, je vais passer là entre les deux stations Total. Ah, là, je suis en train de passer là, je suis sur la bretelle d'accès de la sortie 26 là pour attraper après en suivant Libourne, puis après question la bataille, enfin, de ce côté là, et là c'est pas mal chargeant au QRM, du coup là j'ai pas compris grand chose. Attends, je prends un peu d'altitude, je suis dans la montée là, de la sortie 26, ça devrait le faire un petit peu mieux là, de ce côté là. Voilà, j'arrive au feu là de la sortie 26. Là normalement ça devrait mieux passer. Bon d'accord, ça passe pas mieux. Ouais, je te disais que là je suis en haut de la sortie 26 au niveau des feux. Et bon ben là je m'attendais à ce que ça passe un petit peu mieux, mais les QRM aussi passent mieux. Ok, j'ai pas mes lunettes sur le nez, mais je crois que tu m'arrives avec un Santiago de 5 et radio 4. Ah ouais, quand même. Ah, t'es en fixe. J'avais cru comprendre que t'étais en push tout à l'heure. Ah, je suis pas en push, je suis en fixe. Hein. Ok, d'accord. Non, je sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête que t'étais en push. D'accord, ok. Eh bien là, je m'en vais, je sors du boulot, là. Et je rentre chez moi, là, du côté de Saint-Émilion, question la bataille, de ce côté-là, quoi. Ah bah c'est clair, c'est... à un moment donné c'est sûr que ça a pu passer. De ton côté, tu as sur Saint-Médard, tu as Daniel Senteur par exemple. Comment il s'appelle, ah je sais plus, je crois que c'est Michel qui est entre Saint-Médard et Martignas. Moi je crois que c'est ça. Il y a quelques stations de ce côté-là là, qui descendent du côté des 40 canaux. Après je sais plus, j'ai oublié. Ok, ben, la FM, j'ai rien contre, mais au bout d'un moment, je deviens sourd. Mais qu'est-ce qu'ils me font là devant là? Attends, il y en a que ça merdoie là de mon côté. Attends deux secondes, dès que je vais pouvoir doubler. Alors, vas-y, avance toi. Voilà. Ok. Voilà, non, ça roulait à 50-60 au lieu de rouler à 110. Alors forcément, voilà, c'est bon, je suis lancé. Ouais, je disais donc que l'AFM, j'ai rien contre, mais soit on met le squatch et on n'entend plus les stations lointaines, soit on ne le met pas, et puis au bout d'un moment, je me prends de l'aquafone dans les oreilles, je comprends plus rien. Donc du coup, l'AFM, j'ai envie d'y aller, quoi. Ou très très peu, quoi. Pour être plus en AM ou en BLU quand la propague est là et que je comprends quelque chose surtout. La modulation est pas très forte, là j'ai pas tout compris. Hein. Oui,
Ah ben il a fallu qu'il y ait une balise ou un truc comme ça, ou je sais pas là, qui a balayé la fréquence, qui me coupe la réception. Désolé, j'ai pas compris, bon c'est pas grave, je vais pas te faire répéter indéfiniment. C'est pas bien méchant. Ok, ça marche, moi aussi c'est pareil, hein. J'ai un petit peu de mal à te sortir, ça fait bon, je suis en train de rouler, donc ça fait un peu des vagues. Les modes sont 1351 à toi, content de t'avoir eu en fréquence. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un ce matin, puisque hier matin j'ai eu Daniel Senteur, et en suivant j'ai eu quelqu'un du côté de... Oh bah ça y est, j'ai oublié. Bon bah c'est pas bien grave. Bon, je t'envoie les modes 1351, merci pour ce petit contact, et à la prochaine en fréquence. Merci, bye bye. Surtout que là j'arrive de la descente là, du village La Poste, là dans le trou, ça va plus du tout passer là pour le coup. Merci, bye bye, bonne journée. Bye bye. Ça permet à quelqu'un de voir qui est principalement en BMU, si j'ai bien compris, de voir qu'il y a aussi du monde de ce côté-ci. Alors, il est 8h10, 11. Ah oui, c'est vrai, il faut que je lui mette la pendule à l'heure là, de la caméra. Je vois pas l'heure qui est affichée dessus, mais je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 5 minutes de décalage. Ah, c'est pas bien méchant. Il y a quelque chose qui me jette derrière, j'ai l'impression. Non, je me trompe. Ah, je me trompe. Attention, VK33 pour Dandy33 qui t'appelle. Il n'est pas là. Thank you.
73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis la rocade de Limoux. Ah. Bon, tant pis. Devant, il y a un convoi exceptionnel. Alors le truc, c'est de ne pas les déranger, évidemment. Et moi, comme ça, ça me permet de pouvoir anticiper sur une éventuelle manœuvre de leur part. Ils sont pas du tout bavards, eux. Tant pis. Un peu de monde dans le lointain. Dire que là je suis loin de tout aussi, moi.